Ça fait presque un an que le rappeur Moa La Squale est dans la tourmente depuis qu'il est accusé de violence conjugale par plusieurs anciennes petites copines. On va revenir ensemble sur la chronologie de l'affaire. En septembre 2020, un mouvement naît sur les réseaux sociaux, le mouvement Musique Too, pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes dans l'univers de la musique. Cinq femmes sortent alors du silence et portent plainte contre le rappeur. Elles ont entre 23 et 28 ans et livrent toutes le même récit de leur relation avec l'artiste. Elles accusent Moa La Squale de multiples violences physiques ou verbale, sur fond de crises de jalousie ou de menaces répétées. L'une d'elles a expliqué au journal Le Monde qu'il lui avait tiré les cheveux tellement fort qu'elle avait eu des hématomes partout sur la tête. Une autre évoque une tentative d'étranglement avec un oreiller. Et pour une troisième plaignante, les violences seraient allées jusqu'à l'agression sexuelle. Aujourd'hui, elles sont bouleversées, elles sont inquiètes, mais elles savent au fond d'elles qu'elles ont fait la bonne chose en allant déposer plainte. À la suite du dépôt de plainte, la justice a tourné au ralenti pendant plusieurs mois. En avril, il est condamné dans le cadre d'une autre affaire par le tribunal correctionnel de Paris pour outrage et rébellion contre les forces de l'ordre. Il n'a alors pas encore été entendu par les juges pour les accusations de violence conjugale, mais se défend sur Twitter. « Je n'ai jamais, au grand jamais, levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire. » À cette époque, le rappeur passe la plupart de son temps à l'étranger, notamment à Dubaï. Mais en juin, Moa La Squale est placé en garde à vue à Paris et il est soumis à une confrontation avec au moins l'une de ses plaignantes. À l'issue de son interrogatoire, Moa La Squale a été mis en examen pour différents motifs. Violence sur conjoint, séquestration, agression sexuelle et menace de mort sur plusieurs victimes. Au total, à l'heure actuelle, Moa La Squale fait l'objet de 6 plaintes. Mais son avocate rappelle que Moa La Squale conteste l'intégralité de ses accusations et qu'il a la ferme intention de se défendre.